Voilà, il est là avec nous. Jean-Christophe, tout va bien? Vous êtes prêt? On commence tranquillement le temps que tout le monde s'installe. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et on guette les nouveautés du département de la Meuse. Et donc voilà, on va faire à la fois une présentation, mais aussi rapport d'étonnement un petit peu pour entraîner chacun à se questionner sur... sur ce sujet qu'on a abordé tous ensemble. Donc, les personnes qui, avec des remarques ou des interrogations, vont pouvoir intervenir juste après Jean-Christophe Velin. Également, alors, je ne sais pas si Abdel Benomran est parmi nous. Oui, bonjour. Si vous voulez participer, nous aider à faire le détonateur de ce débat participatif, vous pouvez vous asseoir avec nous, n'hésitez pas. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à Épinal, membre des associations Citoyens et Territoires du Grand Est et Carrefour des Pays Lorrains. Et voilà, donc vous allez vous aussi vous nous faire votre rapport d'étonnement et pour stimuler ce débat qu'on va mener tous ensemble. Jean-Christophe, maire de Vacherouville. Alors, une ville Internet? Non, un village Internet. Et la nuance est importante, parce que c'est peut-être plus difficile d'être un village Internet que d'être une ville Internet. Je vous laisse la parole. Et donc, c'est vrai qu'en 2010, on a essayé de s'inscrire. On a été un... je ne vais pas dire précurseur, ça serait très prétentieux de ma part. Mais en tout cas, à chaque fois que les services de l'État nous ont sollicité pour les aspects de dématérialisation, de se faire le relais au titre du portail service public, etc., on a répondu présent et on a voulu montrer qu'on était capable, à l'échelle de la petite commune, de pouvoir réagir. Et pour la petite anecdote, la première fois où on a eu, parce qu'on avait fait beaucoup de communication autour du portail service public en disant aux gens, inscrivez-vous, faites les démarches, etc., c'est super. Donc tout ce qui est démarches liées, demande de carte d'identité, etc., pouvait se faire sur ce portail-là. Et alors là, le jour où est arrivée la première demande de carte d'identité en ligne, c'était un peu panique à bord, parce que ni la secrétaire ni moi-même ne savions comment gérer cette demande. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Tout ça pour dire que voilà, on essaie de développer les outils numériques. C'est pas toujours évident, c'est pas simple. Aujourd'hui, on est sur les aspects de dématérialisation. J'entendais les signatures numériques, etc. Pour nous, c'est vraiment c'est une avancée considérable. Mais c'est vraiment quelque chose à l'échelle d'une petite commune qui est pas évidente à gérer. Alors c'est vrai que Julien, lui, est au fait de tous ces outils-là. Moi, je le suis un peu moins. Et c'est vrai qu'après, je pense que ça demande une autre forme de disponibilité. Je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident pour une petite commune, pour un maire, de porter, je dirais, le numérique et ses usages au quotidien. Après, on est confronté à une autre difficulté, ce sont les personnes âgées, parce qu'on a encore beaucoup de personnes âgées dans nos villages. Et le numérique, malheureusement, ça leur parle beaucoup moins. Et quand en termes d'information, de communication, de débat participatif, ou en tout cas lorsqu'on veut les questionner, les interroger, ben on sait très bien qu'on doit de nouveau avoir recours à des outils papier, à des outils de communication beaucoup plus classiques. Voilà, c'est un petit peu la gageure merci, de notre métier. Oui, merci. Merci de montrer l'exemple avec d'autres, hein, avec d'autres villages. On sait que donc on est également avec l'association Ville Internet, partenaire de l'association des maires ruraux de France, et que je salue ici, même si on n'est pas toujours d'accord, et puis c'est pas le problème surtout, mais sur leur volonté à porter le numérique dans tous les territoires et à combattre sur la reconnaissance des besoins d'usage et de services dans les territoires, ce que vous avez totalement confirmé à l'instant. Ce que je voudrais pour enclencher ce débat, et en commençant par les remarques de tout à l'heure que vous aviez à faire les uns et les autres, je voudrais qu'on aille dans une ville un peu plus grande, qui est Épinal. Alors Épinal, ça a été un historique, ville pionnière historique de ville Internet. Je crois que ces derniers temps, il n'y a pas eu de participation au label l'année dernière, attention, il faut revenir. Mais peu importe, et on sait qu'il y a, une intégration de la politique numérique à Épinal depuis de longues dates, et notamment sur la question de la citoyenneté, des quartiers. On a une démarche, je ne sais pas si elle s'intègre exactement dans les plans politiques de la ville, mais vous allez nous l'expliquer. Et donc je vous remercie d'être là avec nous, Abdel Benomran, pour apporter aussi cette vision-là, parce que, évidemment, il y a l'enjeu rural, mais il y a l'enjeu des villes moyennes, des petites villes, des quartiers, enfin tout le territoire
dans la logique de l'égalité numérique des territoires est concerné par notre enjeu du jour. Voilà. Donc, dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour votre invitation et vous dire que c'est en fait au titre de l'association Citoyens et Territoires que j'interviens aujourd'hui, même si évidemment, en tant qu'élu délégué aux solidarités à la ville d'Épinal, je serai obligé de dire quelques mots sur les avancées en termes de numérique concernant le territoire d'Épinal. Alors, je vais répondre à votre question, puis je reviendrai après sur l'actualité. Dans l'ordre que vous voulez. D'accord. C'est bien, on est libre. Donc, par rapport à Épinal, déjà, depuis quelques semaines, un peu plus de 2 mois, une école du numérique s'est créée à Épinal avec Simplon, donc un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, un projet porté par la Chambre de commerce et d'industrie, financé en grande partie par la communauté d'agglomération d'Épinal, et qui, en fait, la particularité de cette école, c'est qu'elle permet à 24 stagiaires de se former, mais 24 stagiaires qui n'ont au départ pas de formation ou pas de compétences directement liées au numérique. Ils peuvent avoir développé, enfin avoir une expérience dans tel ou tel type de domaine qui n'est pas lié au numérique. Ils avaient la possibilité d'accéder. Donc c'est une formation qui est gratuite, qui est financée intégralement par la région. Je regarde parce qu'il y a M. Mangin qui nous écoute et aussi par la communauté d'agglomération et puis par l'État, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette école du numérique, elle arrive après un long travail qui a été fait sur le territoire par notamment le maire Michel Henrich, qui a développé avec son équipe, puisque moi j'ai intégré l'équipe qu'en 2008, il y a eu des choses qui ont été faites avant 2008, comme l'installation dans les différents quartiers d'Épinal d'ordinateurs, de points cibles, qu'on appelle, donc qui permet à la population d'accéder directement, gratuitement, en s'inscrivant à des horaires bien particuliers, adaptés, etc., avec des modules de formation pour la population dans les différents quartiers d'Épinal. Et puis, petit à petit, les choses se sont un peu développées sur le territoire. Alors, ce n'est pas directement lié au point cible, c'est lié un peu à l'écosystème d'économie qui se développe sur Épinal. On connaît aujourd'hui Épinal beaucoup sur la question de l'image. On dit, d'ailleurs, c'est utilisé un peu partout dans le monde, l'image. Maintenant, je vais vous demander d'ajouter image et numérique, voilà, puisque il y a l'école du numérique, mais il y a aussi des grandes entreprises que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui commencent à monter en pointe, comme Xilopix, par exemple, qui est une entreprise qui est située... Bon, il y en a qui... Je pense qu'il y a quand même des personnes dans la salle qui regardent un peu ce qui se passe du côté d'Épinal. Et donc, je vous donne un exemple. Xilopix, c'est une ambition de personnes qui habitaient Paris à l'époque et qui ont souhaité développer un site de recherche sur Internet et qui, aujourd'hui, enfin, ils ont commencé à deux... Petit à petit, plus les années sont passées, ils sont 64 aujourd'hui à travailler. Enfin, ils sont 32. De recherche. Xilopix de recherche autour des questions de l'image. Vous tapez Xilopix. Bon, vous n'allez pas trouver toutes les informations parce qu'ils travaillent en cachette en ce moment parce que c'est pour développer leur projet intelligemment. Et une fois qu'ils seront prêts, ils vont sortir. Donc, on a situé par exemple à la Maison Romaine à Épinal, c'est l'ancienne bibliothèque d'Épinal, un lieu situé à rue de Nancy. Plusieurs entreprises qui sont liées, comme Supermouche Productions, autour de la question de l'image, etc., qui sont là. Alors, je vous ai parlé un petit peu des pointures, en fait, des Bac plus 5, plus 6, plus 7 qui se développent, c'est les entreprises, c'est le territoire. Je vous ai parlé de Simplon et de la question des gens qui n'étaient pas compétents, qui n'avaient pas de savoir en termes du numérique, etc. Tout à l'heure, dans les débats, dans les échanges, on a parlé des jeunes. Et puis, on dit toujours, les jeunes, ils arrivent à se débrouiller, les jeunes, plus mieux que les... Bon, déjà, c'est pas vrai. Déjà, quand on regarde dans la réalité, les jeunes ne savent pas mieux se débrouiller que les autres. Il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Et moi, qui ai l'habitude de, aussi, en tant que professionnel, parce que j'interviens en tant que formateur auprès des jeunes à la recherche d'emploi, etc., je constate que auprès des jeunes ou des moins jeunes, quand plus on est distant du monde, de la société, plus on est à la recherche dans l'emploi, etc., et plus on a du mal à s'intéresser ou à intégrer cette notion du numérique, même si, quand vous allez poser la question à un jeune sur la question du numérique, il va dire « Oui, si, moi, je maîtrise l'ordinateur. » Et puis, quand vous lui posez « Qu'est-ce qu'il fait sur l'ordinateur ?», ce qu'il fait sur l'ordinateur, il va vous parler de World of Cards, le jeu vidéo où ils sont en train de se... Bon, c'est pas un jeu... voilà. Jeu de guerre. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'il maîtrise les 4 flèches directionnelles du clavier et puis la touche entrée, etc., etc. L'outil d'Internet, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup subtil. Plus que ça. C'est beaucoup plus subtil, mais il y a aussi cette notion-là. Et je voudrais juste, pour terminer sur le point d'Épinal, dire que aujourd'hui
Si on a choisi aussi c'est un plan, c'est parce qu'il y a la question. Aujourd'hui, on dit que les jeunes doivent savoir écrire, compter. Bah, écrire, est-ce que tous les jeunes savent écrire? C'est une grande question aujourd'hui. Est-ce que les jeunes savent tous compter? C'est aussi une question. Est-ce que les jeunes savent aussi. Alors, il y a lire, compter et puis écrire. Et puis, il y a aussi maintenant coder, parce qu'il faut apprendre à coder, et c'est dans l'air du temps. Et je voudrais terminer sur ce point. C'est un langage. C'est un langage, le codage c'est un langage, qui doit être compris et appris par tous pour bien se comprendre, pour maîtriser les outils. Mais c'est aussi, je fais le lien, je vous assure que c'est la dernière info sur Épinal, après on passera à autre chose. Parce que c'est intéressant ce qui se passe. Sur la question des 24 stagiaires qui sont à Saint-Plon, ils font une formation de 8 mois, 6 mois donc c'est au centre d'affaires, donc en centre direct, et 2 mois en entreprise. Et ce que je veux dire, c'est que ces 24 stagiaires ont accueilli plusieurs groupes depuis le début de leur formation pour permettre aux enfants d'apprendre à coder. Et dont les enfants, on a des enfants des quartiers, on a des enfants de la ville. De toute façon, quand je dis la ville, on peut sous-entendre les différents quartiers, parce que dans une ville, il y a forcément plusieurs quartiers. Et puis, il y a la question aussi du monde rural, parce que c'est la question de mon intervention aujourd'hui. Ce n'était pas axé sur le monde urbain. Mais comme aujourd'hui, il y a la communauté d'agglomération qui est composée de 38 communes, qui passera à 80 communes au 1er janvier 2017, il y a forcément le lien avec le monde rural qui est important à prendre en compte. Et il y a une prise en compte qui est beaucoup plus importante dans le monde rural, parce qu'il y a des difficultés qui n'existent pas dans le monde urbain, etc. Je vous donne un exemple. Mais c'est le dernier. Ben, je dis à chaque fois c'est le dernier, j'en rajoute 15 derrière, vous allez apprendre à le connaître. Mais j'ai un groupe, je suis en formation, là, j'ai un groupe que j'encadre, etc. Dans les Vosges, dans le monde rural. Ils sont tous à la recherche d'un emploi. Je dis pas que ce sont ces personnes-là qui sont responsables du choix ou de leur consommation, mais quand je leur demande où font-ils leurs achats, etc., ils me parlent tous d'Internet. Bon, pour certains, ils ont accès à Internet, c'est plus facile. Mais il faut être conscient qu'il y a ce débat, ce fameux débat de dire si on veut développer son territoire et qu'on commande tout sur Internet et que la commande sur Internet ne se fait pas sur des commerces qui existent au niveau local, il y a une problématique. Donc ça pousse aussi les commerçants à développer des sites Internet, ça pousse aussi un certain nombre de choses à développer. On ne développe pas un territoire parce qu'on peut tuer un territoire. Excusez-moi, c'est dangereux pour le territoire, c'est ce qui se constate. Sur RTL, en venant ici, merci de se dire, mais je ne suis pas en campagne. Mais juste pour dire, parce que j'écoutais sur RTL, on parle de désertification des centres-villes, etc. C'est aussi au choix de la population de choisir où ils consomment. On demande des épiceries dans les villages. On demande des choses qui sont ouvertes. Et ils vont consommer à Intermarché à 30 km plus loin ou sur Internet, etc. Ou alors ils vont aller chercher leur brique de lait ou leur couche dans leur petite épicerie. Après, c'est des choix de consommation, c'est des choix de vie. Voilà, ça, ce que je vous dis là, c'est anodin. Mais c'est super important, voilà. C'est un vrai changement de société et c'est un enjeu essentiel. Et puis, c'est une question de choix. L'association Citoyens et Territoires Grand Est, quel est son objet? Alors, l'association Citoyens et Territoires, elle n'est pas encore très bien connue sous ce nom-là, mais elle est beaucoup plus connue sous le nom de Carrefour des Pays Lorrains. D'accord. Le Carrefour des Pays Lorrains, c'est une association qui existe depuis une vingtaine d'années. Bon, je pense que les élus, ils maîtrisent, ils connaissent, parce qu'il y a un travail qui est fait sur le territoire de Verdun, notamment sur la rénovation urbaine, je crois, le suivi, c'est ça, je crois que c'est cette étude-là. L'association que j'ai intégrée donc, il y a 3 ans, je suis membre du conseil d'administration et même... Projet innovant pour la jeunesse, nous précise le maire. Merci en tout cas merci pour cette précision qui est aussi importante pour dire que le Carrefour des Pays Lorrains appuie aussi et accompagne les territoires sur les projets, sur différents types de projets. Le Carrefour des Pays Lorrains, c'est une association qui est composée de plusieurs administrateurs qui sont issus de différentes structures. Il y a les collectivités locales, il y a les associations d'éducation populaire et puis les collèges. Moi, par exemple, j'y suis en tant que collège de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, en tant qu'acteur du développement local, parce que j'ai une formation, j'ai un master 2 dans le développement local, et puis j'ai suivi, je suis élu, donc je me suis dit, naturellement, je vais intégrer cette association qui existe depuis très longtemps et qui accompagne les territoires dans des projets sur les questions d'urbanisme, de logement, de jeunesse, de politique de la ville, du monde rural, parce que là, on va parler un peu du monde rural dans quelques secondes, et puis sur un certain nombre de questions, et donc on accompagne, on organise aussi des rencontres pour valoriser les initiatives ici ou là, pour aussi lancer un petit peu une émulation dans les autres territoires, pour prendre des exemples, parce qu'on ne regarde pas suffisamment ce qui se passe dans les autres territoires pour bien travailler sur nos territoires. Échange d'expérience. Donc il y a cette association-là qui existe, il y en a d'autres qui existent, où il y a des rencontres qui sont faites sans le Carrefour des Pays Lorrains.
Et donc le carrefour des pays lorrains s'appelle aujourd'hui citoyenneté, citoyen et territoire depuis la dernière Assemblée générale. Et donc, pourquoi citoyen et territoire ? Parce que la notion de citoyenneté, elle est importante aujourd'hui, on le voit. Il y a une crise de confiance, une abstention qui grandit d'élection en élection. Il y a aussi une question de participation, d'implication de la population dans les questions locales, qui sont fondamentales. Et il y a la question du numérique, là, je ferai le lien dans 30 secondes, enfin un peu plus, parce que je terminerai ma phrase qui va durer aussi un peu plus, mais voilà, vous avez raison. Et donc... d'accord. Et donc, juste pour dire, voilà, cette question, le Carrefour des Pays Lorrains, par exemple, citoyen et territoire, donc travaille sur plusieurs questions, comme par exemple, là, l'équipe va être formée aux outils collaboratifs du numérique, comme Framapad, etc., pour contribuer à travailler de manière intelligente ensemble. Et juste pour cette notion-là, on dit, oui, c'est facile, il faut utiliser des outils collaboratifs, etc., mais quand on est dans un monde où on a du mal à partager l'information, on a du mal à faire confiance en l'autre, on a du mal, etc., il y a des notions, donc il y a tout un travail qui doit être mené par rapport à cette question. J'ai juste, encore, je vais être très court, je vous assure, je vais être très court, j'avais marqué quelques éléments. Et aussi, aujourd'hui, avec les fusions de communautés de communes, il y a des territoires qui se sentent un petit peu obligés de réfléchir à leur identité, à savoir voilà, comment on peut faire cause commune, comment on peut défendre un territoire ensemble, etc. Donc là, il y a le citoyen territoire travaillera avec une communauté de communes sur la question de l'histoire du territoire avec un outil qui s'appelle le Wiki. Je ne sais pas si vous connaissez, mais par exemple, c'est très utilisé. Vous tapez Wiki Brest. Et donc il y a sur ce territoire-là, tous les habitants peuvent contribuer à valoriser l'histoire de leur commune, à alimenter chacun de leur côté le site pour essayer de dire voilà, comment je vois mon territoire, comment je le ressens, comment je le vis, etc. Ensuite, par rapport à la question de l'implication de la population dans le numérique, là, c'est une vraie question parce que quand il y a le numérique, on a l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre. On parle beaucoup du numérique, et c'est quelque chose qui est important, fondamental, qu'il faut prendre en compte, etc. Mais aussi, il faut continuer à organiser des réunions publiques. Nous, on est pour que la population rencontre leurs élus directement. Tout à l'heure, il y a un élu qui disait... c'est ce qui se fait encore aujourd'hui beaucoup. Moi, je parle dans l'avenir, plus on avance dans le numérique, et le risque dans le débat, dans la parole, mais aujourd'hui, les élus rencontrent tous leurs habitants, les habitants rencontrent tous leurs élus, et puis il y a les échanges qui se font quotidiennement, mais l'idée, c'est dire, le numérique, c'est important, mais il faut utiliser des comme vous faites pour appuyer sur une décision qui peut être prise dans la commune, utiliser des outils Internet parce que ça peut permettre d'impliquer des gens qui n'étaient pas impliqués jusqu'à aujourd'hui. C'est une nouvelle forme aussi de participation à utiliser. Mais il y a aussi la question de... Voilà, c'était juste cette phrase-là, de dire le numérique, oui, il faut y aller, mais il ne faut pas oublier aussi les rencontres physiques. C'est un peu le message que je vais faire passer. J'étais un petit peu long pour le faire passer, mais je l'ai fait passer. Non, merci beaucoup. C'était voilà, vraiment très, très intéressant. Merci. Merci. Et à travers vous, je salue encore une fois, je l'ai déjà fait, mais les médiateurs numériques qui, dans les territoires ruraux, dans les territoires en général, font ce passage. Et d'ailleurs, je rappelle un message que j'ai déjà transmis au SGMAP du côté de France Connect, mais je pense que le lien se fait très bien avec les services de l'agence du numérique qui a cette mission de la société numérique via les médiateurs numériques, notamment dans les territoires. 15 000 personnes dans 5 000 lieux dans le territoire français, c'est pas rien. Que ce soit les premiers passeurs de France Connect sur les services publics locaux, ça, je pense que ça apportera un soutien, y compris aux collectivités locales. Donc, merci de nous relayer à nouveau dans ce message. Alors, donc voilà, on a vu, je crois, beaucoup d'aspects de l'enjeu des villages, territoires, villes et villages Internet. Tout à l'heure, il y avait deux demandes de réaction. On va peut-être, et une troisième là-bas, ou voilà, donc on va vous passer le micro. D'abord, monsieur, excusez-moi, parce que votre représentant d'Orange, qui a été interpellé indirectement ou directement une ou deux fois, je vous propose de faire un deal ensemble. Monsieur va réagir sur les questions d'infrastructure rapidement, s'il vous plaît. Et puis on oubliera un peu les infrastructures, on reviendra aux services, aux besoins et à l'expression de la population sur ses besoins et sur ses usages, si vous en êtes d'accord. Voilà. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Nicolas Dupont, de la direction régionale d'Orange. J'ai entendu le maire, M. Samuel Hazard, et M. André Janot
parler d'Orange dans l'accompagnement des collectivités territoriales pour le développement du haut débit. C'est effectivement le cas. Orange vient de lancer un grand programme Orange Territoire Connecté qui va avancer grandement, avec plus d'un million de foyers qui seront connectés en haut débit dans les mois à venir, avant 2017, et puis courant 2018, 2,5 millions de foyers supplémentaires. Donc en nombre d'habitants, vous multipliez par 4 ces chiffres pour vous donner une idée. Sur, en termes d'infrastructure, la fibre, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, mais qui ne peut être accompagné que par les collectivités territoriales, compte tenu des coûts que cela engendre. Mais la fibre, c'est essentiel parce que c'est quelque chose d'éminemment fiable et d'éminemment pérenne. C'est un investissement pour 30 ans. C'est 100 mégas à 150 mégas chez chacun d'entre nous. Et c'est des coûts de maintenance et des risques de panne divisés par 10. Donc il faut croire à la fibre, c'est essentiel. Par contre, on ne pourra pas la déployer partout pour des questions de coûts. Tout à l'heure, un élu parlait de sa commune de 200 habitants. Pour une commune de 200 habitants isolée, c'est souvent hors de prix, sans l'aide d'une communauté de communes, de déployer de tels réseaux. Et là, il y a néanmoins des solutions. Il y a des solutions qui s'appellent le VDSL. Le VDSL, c'est quoi en deux mots? C'est amener la fibre à l'entrée du village et raccorder cette fibre au fil de cuivre qui va chez chacun des habitants. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une solution d'attente qui est pérenne en attendant que les engagements de la grande région soient tenus. On a 50 mégas qui arrivent chez chacun d'entre nous, dans les petits villages, sur le réseau cuivre, avec les mêmes box que celles que vous avez d'ores et déjà. Et pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'accéder au VDSL, à cette solution de fibre qui n'hypothèque pas l'avenir, il y a des solutions qui arrivent, qui sont la box 4G. La box 4G, on n'a plus besoin de la fibre. Hein, ça arrive en 2017. Donc, en lieu et place de votre box filaire qui se raccorde sur le cuivre, vous pourrez avoir des box 4G. Et puis, il existe d'ores et déjà des solutions individuelles. Donc, ça, c'est tout un chacun, n'importe où sur le territoire qui peut y accéder. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que c'était cher. C'est les solutions satellitaires. Pour 35 euros par mois, vous avez une solution satellite qui vous apporte du 10 mégas à la maison. C'est des solutions qui existent à des coûts tout à fait raisonnables, tout à fait comparables à votre abonnement ADSL aujourd'hui. Alors, c'est pas l'équivalent de la fibre, bien entendu. Voilà ce que je voulais vous préciser. Merci. Et puis vous dire que Orange est bien aux côtés des collectivités locales et territoriales. En ce moment même, le président Stéphane Richard est en Moselle, puisque nous sommes là pour accompagner le développement de la fibre avec le réseau d'initiatives publiques qui vient de nous être attribué en Moselle. Voilà. Merci. Alors, ne le laissez pas partir sans lui avoir donné votre adresse mail et avoir pris la sienne, de manière à ce que ce qu'il nous a promis pour vous soit bien effectué le plus vite possible. Et on est ravis d'apprendre qu'il y a des solutions alternatives et qu'Orange organise les solutions alternatives. Enfin, si je peux me permettre. Bon, en tout cas, c'est formidable de le faire. Monsieur, madame, je ne vois pas. Oui, monsieur. Merci de vous représenter. Oui, bonjour, Daniel Lefort, maire de Champneuville, voisin de Jean-Christophe. Ce que j'ai entendu, là, je ne vais pas avoir le moral pour partir, hein, je vous le dis franchement. On va vous aider. Je ne vais pas faire du Frédéric Schnur, mais voilà, je n'ai pas les mots pour le faire. Par contre, nous, on est un village de 120 habitants. On avait tout pour être ville ou village Internet, parce que ça serait plus juste. On a toujours voulu être les premiers à faire de la dématérialisation. Être pilote, on a réussi, mais on n'a pas de haut débit, entre guillemets, ou du vrai haut débit. On a un vrai faux haut débit. Donc c'est quand même assez dramatique. Y a un mot qui n'a jamais été prononcé ici. On voit que les villes Internet, vous êtes dans votre monde. Le mot fracture numérique n'a jamais été prononcé. Derrière la fracture numérique, la fracture sociale, elle n'est pas loin. Hein, donc voilà, donc ça, c'est fait. C'est vrai que j'ai entendu M. Jeannot dire que d'ici 2-3 ans, on va faire un programme de 8 ans. Non, mais c'est intolérable pour nous, ça. C'est inacceptable. Ça veut dire qu'on aura la fibre dans 10 ans. On la veut tout de suite, nous, maintenant. On n'a pas de haut débit. On a fait un site Internet dans notre village l'année dernière. Je ne peux pas consulter le site Internet de ma commune chez moi. Je ne peux pas. Les images ne défilent pas. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut dire aussi aujourd'hui. Parce que je pense que les gens qui n'ont pas Internet ont beaucoup de mal
à être labellisé ville Internet. Alors nous, on a fait un autre choix, puisqu'on ne pouvait pas être ville Internet, on a été ville étoilée. Donc regarder, observer les étoiles, bravo, c'est intéressant. Bravo. Mais pour France Connect, je crois que ce n'est pas satisfaisant. Voilà. Donc merci. Après, quand vous avez des gens dans des villages comme ça qui dénigrent Internet, qui vont dénigrer France Connect, qui vont dénigrer les liens qu'on peut avoir avec les services publics, parce que c'est les services publics qui vont trinquer. Il faut savoir que quand une personne dénigre les usages comme ça, ça fait des dégâts. Bien on sûr, est d'accord. Alors que ceux qui l'utilisent ne se rendent pas compte que ça fonctionne, bah, tout le monde s'en fout parce que personne ne dit rien, c'est normal. Sauf que quand ça ne fonctionne pas, eh ben, ça va être beaucoup plus difficile par la suite de faire développer tous ces usages-là, notamment au monde rural. Je suis bien content que M. Mangin me regarde parler. Donc le message Monsieur Jadot, est passé. Je vous propose qu'on entende une autre remarque et que vous répondiez éventuellement un peu plus globalement. La fracture numérique, ville Internet, est née de la fracture numérique. Je pourrais vous raconter l'histoire, elle est en ligne. Et ça reste pour nous une préoccupation essentielle. Monsieur. Madame Pierre Jacquinot, élu à la ville de Verdun et à l'Aglo. Tout à l'heure, monsieur qui se définissait comme poil à gratter nous évoquait... Monsieur Schnur. Non, mais je m'excuse, j'ai pas retenu son nom. Ben, il est là, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ah, Frédéric. Oh là là. Frédéric. Pas trop près, Frédéric. Non, non, mais ne vous inquiétez pas. j'ai eu plus ou moins les questions, les réponses partielles à ce que je me posais comme question. C'était le côté sanitaire. Quand, monsieur, vous dites qu'à un moment donné, 4 mégas, bon, c'est bien, ça serait mieux 100 mégas. Pour émettre 100 mégas, je me pose la question de savoir s'il n'est pas dangereux de mettre des appareils d'émission en référence qui vont développer des ondes et qui peuvent être préjudiciables pour la santé des gens. Par contre, monsieur France Télécom nous explique que la fibre optique, d'après ce que j'ai compris, n'est pas dangereuse, ainsi que le satellite. Hein. Donc voilà, je me pose la question sur le plan sanitaire. Est-ce que quelqu'un peut me donner quelques réponses à ce sujet ? Alors, éventuellement, une réponse directe, monsieur, à la fin de la réunion, on a un temps d'afterwork qui permettra cet échange, si vous le permettez. Et ce n'est pas pour virer le sujet, hein. On est en plein, on ne peut pas nier les problèmes de zone blanche, les problèmes d'accès, hein, mais c'est pour essayer. Voilà. Donc, je me présente, monsieur Colin Alexandre de la société Net55, délégation de services publics du conseil départemental de la Meuse, en charge du développement numérique sur le territoire. Donc je ne vais pas parler de l'infrastructure puisque mon concurrent clairement c'est Orange aujourd'hui, donc on va pas aborder le débat sur cet aspect-là. Non mais il n'y a pas de concurrence, faites-nous tous du débit correct. Non mais je vais répondre à la question de monsieur sur le hertzien et sur le danger des ondes. C'est très simple, c'est qu'aujourd'hui la question que vous avez posée, personne ne peut y répondre. Maintenant, il y a des études scientifiques qui ont été faites, il y a des études sur YouTube que vous pouvez aller voir qui sont vraiment très très bien. Notamment avec la chaîne YouTube Univers Science, où il y a eu une conférence il y a 2 mois d'un chercheur sur la dangerosité des ondes. Et ben, le résultat de cette étude, c'est que il n'y a aucune preuve scientifique aujourd'hui de la nocivité des ondes hertziennes. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, il faut aller chercher les études de l'OMS sur le sujet. Effectivement. Voilà, on peut penser, et pourtant nous on a fait attention au travail qu'on a fait, on peut penser qu'a priori, aujourd'hui, c'était moins vrai au début des ondes, on a moins de problèmes écologiques de ce point de vue-là, en écologie sanitaire. N'en reste pas moins que le sujet de l'écologie par le numérique, les déchets, etc., il y aurait beaucoup à en dire, mais on était plutôt sur la question identité numérique. Donc, monsieur Jeannot, nous accompagner pour construire positivement le territoire connecté. Oui, simplement sur les délais que j'ai évoqués tout à l'heure, si ma mémoire est bonne, je disais que le plan de déploiement du numérique pour le département de la Meuse, tel qu'il avait été conçu, prévoyait à peu près 60% du territoire fibré en 5 ans à compter de 2017, hein, 5 ou 6 ans, et le restant, le reliquat, 5 ans plus tard. Tout ça parce qu'il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes financières, vous l'avez bien compris. Fibrer tout le département, hors les zones AMI, les zones orange, c'est-à-dire les 40 000 prises. Une prise en zone urbaine, elle coûte, 250 euros. Dans les zones rurales, certaines prises dans les villages éloignés ou les écarts éloignés coûtent
4 000 euros. La moyenne départementale des prises est 85 000 prises, c'est 1 700 euros. Vous voyez, l'investissement n'est pas le même, ce qui veut dire un investissement pour le département et les collectivités territoriales de 150 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, dont nous avions prévu d'investir dans un premier temps 85 millions d'euros et dans un deuxième temps le reliquat. Pour la région, ça représente 1,5 milliard, je l'ai dit tout à l'heure, pour les 7 départements à équiper. Voilà sur les délais. Donc la région, mais Philippe Mangin va peut-être le préciser, reprend le relais. Nous essayons d'avancer le moins lentement possible, parce qu'il y a des contraintes juridiques, des contraintes techniques, etc. Vous savez, la fibre, nous, on s'est posé la question au départ, est-ce que la fibre, c'est le matériau vraiment qui sera encore le plus performant dans 20 ans ? C'est un investissement de 20-30 ans. Hein. On peut se poser la question. Hein. Est-ce que, j'allais dire, la fibre... La prise à l'habitant nous a imposé par l'État. L'État a lancé un grand plan en disant il faut équiper les zones rurales d'ici 15 ans, entièrement les zones rurales. Équiper à chaque parcelle cadastrale, c'est-à-dire maison construite ou à venir. Est-ce que c'est la bonne solution ? On se pose la question. Sachant que les usages évoluent, ça sera l'itinérance du numérique, bien évidemment. Hein, dans 10 ans, dans 15 ans, on va voir le numérique se développer vers l'itinérance, comme la téléphonie mobile. Hein, avec actuellement, la 4G dont on parlait tout à l'heure. Avec la 4G. Même la 5G. Actuellement, vous savez que... Au Japon, c'est la 6 ou 7. On est dans l'inclusion numérique. Pour la téléphonie mobile, l'État considère qu'une zone est bien couverte à partir du moment où, devant la mairie en extérieur, il y a au moins un opérateur qui passe. C'est ça. C'est complètement obsolète, c'est complètement dépassé, et on le dénonce depuis 3 ans. Ça bouge un petit peu. Chaque année, l'État considère en Meuse qu'il y a 5 ou 6 communes de plus qui peuvent être considérées en zone blanche, alors qu'en fait, nous en avons 96 actuellement. Hein ? Bien sûr, à l'extérieur de la mairie, il y a un opérateur qui place, sauf qu'on n'a pas intégré l'itinérance, parce que le téléphone mobile, on l'utilise de plus en plus pour son travail, pas seulement la maison. Parfois, la maison, c'est le seul téléphone qui existe, il n'y a plus de fixe. Vous voyez, donc on a parfois une vue, on parlait d'anticipation quand on a eu un peu d'échange. Oui, oui, là. C'est vrai qu'on travaille sur l'anticipation permanente. Nous avons interrogé, je me souviens, le CEA, qui est un département matériaux, hein, pour lui demander, avant de lancer le plan, et la région a fait la même chose, est-ce que la fibre, c'est vraiment le matériau, adapté, fiable ? C'est sûr qu'actuellement, c'est nos limites. Il n'y a pas de perte en ligne, etc. Mais bon, il y aura peut-être certainement des vecteurs de transport qui émergeront. Hein, voilà. Hein, est-ce que apporter la fibre à chaque maison, c'est la bonne solution ? Peut-être faudra-t-il, en concurrence, développer le réseau itinérance du numérique. Ça, c'est clair. Hein. Voilà. Merci. Ce que je voulais dire à cet instant. Hein. Merci. Enfin, en tout cas, on sait que vous travaillez sur les infrastructures, mais on sait aussi que vous investissez, on l'a vu avec Jérôme Dubon, etc., les usages et les services. Bien et sûr. Que vous soutenez les services aussi. J'allais dire, et regardez, le département, ouais, c'est sa mission finalement première. Ouais. C'est quand on parle d'action sociale. Dans le domaine de la solidarité, des personnes âgées, d'insertion. Hein, l'accompagnement, ouais, des personnes âgées. On a parlé des jeunes, bien sûr, nous avons équipé les classes primaires et les classes maternelles en Meuse depuis déjà quelques années, hein, des tableaux interactifs et des micros. Hein, moi, j'étais maire dans ma commune, les classes maternelles étaient équipées en 2009. Hein, voilà. Et j'ai toujours été, abasourdi par la capacité qu'ont des gamins de 3-4 ans de manipuler l'outil numérique. Quoi. Ils sont nés avec. Quoi. Je me dis parfois, ils ont un cerveau différent du mien. Hein, voilà. Mais c'est sûr, hein, c'est une nouvelle génération. Simplement pour dire, on parlait d'objets connectés. Bien évidemment, hein, pour maintenir les personnes âgées le plus longtemps possible à leur domicile, on va y avoir recours de plus en plus pour la surveillance, pour les appels existent déjà, la télésurveillance, etc. Hein, bien évidemment. Hein, donc voilà. C'est bien l'usage et le besoin qui appellent l'infrastructure. Donc, on doit être dans l'anticipation. C'est pas simple. Hein, c'est pas simple. Ouais. Moi, je dis, quand on est élu, gérer les cucuneries du quotidien, c'est très simple. Ouais, se projeter dans l'avenir... Dans 20 ans ou dans 15 ans, pour avoir une vision de son territoire, hein, et les élus qui sont là le savent bien, ouais, c'est complètement différent. Alors, et plus difficile. On est un tout petit peu en retard sur notre agenda. Donc, Frédéric, vous avez été interpellé. Donc, c'est le jeu du droit maire, de réponse. Hein, Non. Il y a juste par rapport à la question que se posait le monsieur. On se pose aujourd'hui la question des particules fines avec, par exemple, la mise en place de la voiture. Mais tout le monde a besoin de la voiture. Donc, aujourd'hui, avec les ondes, clairement, il va falloir faire quelque chose. Clairement, l'évolution de la technologie et le progrès technologique va chercher, va comprendre et va améliorer. Ça n'empêche pas qu'il faut y aller.
Sur l'itinérance, 10-15 ans, l'itinérance, elle est aujourd'hui. Elle n'est pas dans 10-15 ans, mais ça, c'est mon point de vue. On peut s'autosatisfaire de ce qu'on veut, mais ce n'est absolument pas ça. Et le troisième point, c'est juste pour répondre à d'autres élus qui parlaient de site Internet. C'est vraiment le point principal de méfiance. Si on pense être dans le numérique parce qu'on a un site Internet et qu'on utilise des emails, on est à la rue. C'est absolument pas ça, le numérique. Voilà.